Ce Master 2 s'adresse à tous les étudiants d'horizons divers qui sont curieux d'appréhender le droit autrement, c'est-à-dire non plus essentiellement comme une technique, mais sous l'angle de ses rapports avec la société. Car le droit, en effet, est le produit des forces sociales en même temps qu'il prétend les régir. Alors appréhender ainsi le droit sous l'angle des autres sciences humaines et sociales permet aux étudiants, notamment dans la perspective de la préparation à des concours, permet aux étudiants d'enrichir sensiblement leur culture juridique, leur culture générale, en suivant par exemple des enseignements tels que la sociologie juridique, à laquelle le doyen Carbonnier avait donné ses lettres de noblesse dans les facultés de droit, ou encore l'anthropologie juridique, ou parmi d'autres exemples, la sociologie historique du droit. Alors parallèlement, ce Master 2 initie les étudiants à des professions qui ont en commun d'appréhender le droit, d'utiliser le droit comme un objet, comme un outil de communication. Ce sont des professions distinctes, des professions juridiques et judiciaires traditionnelles, des professions qui pour certaines sont nouvelles ou renouvelées et qui sont aujourd'hui en plein essor. Il s'agit notamment des enseignements de lobbying, de communication et presse juridique et judiciaire, de management de l'information juridique ou encore de documentation juridique et de legal tech. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte Nau, je suis diplômée du Master 2 en 2011 et je fais partie du réseau des alumni. Je travaille aujourd'hui dans un cabinet de conseil en stratégie de communication et chaque semaine le Master me sert parce que j'ai découvert les métiers du journalisme juridique, de l'édition et également de la communication, ce qui me sert au quotidien dans mon métier parce que j'accompagne des dirigeants dans leur stratégie de communication avec les affaires publiques comme avec la presse. Bonjour, je m'appelle Christophe Droguer, j'enseigne le lobbying aux étudiants de Master 2. Le lobbying, c'est l'art d'influencer la décision publique par des techniques de communication, mais aussi par le juridique. À cet égard, les étudiants de Master 1, qui sont des juristes, ont tout intérêt à intégrer ce master afin de découvrir la matière de lobbying et de jouer la passerelle avec une activité qui est en plein développement et qui recrute de nombreux profils, dont des juristes.